Majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La motion de censure de la NUP contre le gouvernement vient d'être rejetée il y a quelques minutes à l'Assemblée, Alexandre. Oui, motion qui était donc portée par l'Alliance de la gauche. On la savait vouée à l'échec, faute de majorité absolue pour la soutenir. Victor Chabert, vous avez suivi les débats à l'Assemblée pour Europe 1. Cette motion de censure est donc rejetée, Victor. Seuls 146 députés l'ont votée. Oui, Alexandre, c'était arithmétique. Seuls les députés NUPES ont voté cette motion de censure. 146 députés, vous l'avez dit, et il en fallait 289 pour obliger Elisabeth Borne à démissionner. Mais cet après-midi a donné un avant-goût à la Première ministre de ce que serait l'ambiance dans l'hémicycle sous cette législature, avec de multiples passes d'armes. Tout d'abord, Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, qui présentait la motion de censure et attaquait frontalement la légitimité d'Elisabeth Borne. Vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Elisabeth Borne, qui est montée au pupitre dans la foulée pour répondre aux attaques de Mathilde Panot, dénonçant une motion de posture et défendant sa légitimité. Votre motion de censure parle de légitimité. Alors je suis bien d'accord, et je vous l'apprends peut-être, vous n'avez pas gagné. Ni la présidentielle, ni les législatives. En démocratie, ça n'est pas celui qui a moins de voix, celui qui a moins de sièges qui est légitime à gouverner. Voilà, on vient donc d'entendre cet échange tendu entre la Première ministre et la patronne des députés insoumis. Mais pas seulement, Victor, puisque vous avez aussi assisté à des débats électriques entre les oppositions elles-mêmes. Oui, c'était très tendu, notamment entre le RN et la NUPES. Hors de question pour le parti de Marine Le Pen de laisser la place de première opposition à Emmanuel Macron à l'Union de la Gauche. Alexandre Loupé, député RN de la Somme, tout en tapant sur le gouvernement, a aussi pris à partie avec vigueur la NUPES. Vous êtes les héritiers de cette extrême gauche qui ne veut pas gouverner, qui a toujours détesté la Ve République et qui veut la détruire. Votre motion de censure n'a aucunement pour but de défendre la France et les Français, mais seulement de faire avancer votre projet de déconstruction. Ne comptez donc pas sur les députés du Rassemblement national. Le RN, qui n'a donc pas voté la motion de censure ni les Républicains, avec cette manœuvre, la NUPES a voulu tenter un coup politique aujourd'hui, être l'opposant numéro un au gouvernement. Mais il est tout à fait possible qu'aux yeux des Français, il donne de la légitimité à Elisabeth Borne. Ils viennent de rappeler qu'une majorité, même relative, reste une majorité. Victor Chabert, merci.